Voilà, chers compatriotes, en ce net moment, on peut parler d'une victoire diplomatique. Depuis que le président de la République s'est rendu en Belgique, ensuite en Russie ou au Kremlin pendant quelques heures, puis en Turquie où il se trouve en ce moment en Antalya, on peut parler d'une victoire diplomatique. Alors, qu'est-ce que la Belgique propose? Avec FoxTimes.cd, on peut savoir ce qui suit concernant la guerre à l'Est. La Belgique est prête à travailler avec l'Union européenne pour sanctionner ceux qui déstabilisent la RDC. Ça, c'est Alexander De Croo. Alors, invité vendredi 1er mars 2024 à la Chambre des représentants du Royaume de Belgique pour donner des éclaircissements sur la guerre dans la partie est de la RDC, Alexander De Croo, Premier ministre belge, a fait savoir que son gouvernement était prêt à travailler ensemble avec l'Union européenne pour établir une liste des sanctions individuelles visant les personnes impliquées dans la déstabilisation du Congo. Vous comprendrez, chers compatriotes, le Rwanda est toujours ménagé. Bon, des sanctions individuelles, est-ce que Kagame, Paul Kagame serait épargné? Voilà, le chef du gouvernement du Royaume de Belgique a laissé entendre que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est tellement dramatique depuis très longtemps et les victimes sont complètement innocentes. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai eu l'occasion de m'entretenir pendant une heure avec le président Félix-Antoine Tshisekedi qui était de passage à Bruxelles. J'ai eu l'occasion d'aborder trois thèmes. La situation dans l'est de la RDC, la convention avec la Commission européenne et les perspectives pour sa législature. Comme vous l'avez indiqué tous, la situation dans l'est de la RDC est dramatique depuis bien trop longtemps. Et il y a trop de victimes civiles qui sont complètement innocentes, a déclaré le Premier ministre belge. Et d'ajouter... J'ai indiqué que la Belgique était prête à étudier des sanctions individuelles par rapport à des gens démontrés coupables de violences dans l'est de la RDC. On est prêt à travailler ensemble avec l'Union européenne pour établir une liste des individus sur lesquels des sanctions pourraient porter. Voilà. En bref, donc à noter que cette réaction du Premier ministre belge fait suite à la demande du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de sanctionner le Rwanda qui sème la désolation dans l'est de la RDC sous couvert des terroristes du M23. Voilà, chers compatriotes.